alerte les cours seront annulés ce mardi dans toute la France. Une nouvelle vague de grève massive a été annoncée par TF1. Les syndicats de l'éducation nationale appellent à une mobilisation sans précédent des enseignants le 2 avril prochain dans tout le pays, s'opposant à la réforme du choc des savoirs, un ensemble de mesures visant à rehausser le niveau des élèves, annoncé par Gabriel Attal lors de son mandat de ministre de l'Éducation. En conséquence, les cours dans les établissements scolaires, tels que les écoles primaires, les collèges, les lycées, ainsi que les écoles supérieures, seront annulés dans de nombreuses régions de France. Cette grève pourrait devenir une tendance récurrente dans les semaines et mois à venir, les enseignants exprimant leur mécontentement quant à leurs conditions de travail et à leur salaire. Les enseignants ne pourront pas faire grève et se faire entendre pendant les Jeux Olympiques. Donc, ils en profitent en ce moment et prévoient encore plusieurs grèves avant l'arrivée des grandes vacances. C'est un non-sens pour nous qu'on nous demande dès la rentrée d'appliquer des valeurs qui ne sont pas les nôtres, des valeurs de tri, des valeurs de sélection, des valeurs de concurrence qui sont à l'opposé des valeurs que nous sommes censés inculquer aux élèves qui sont dans nos collèges. Donc non, monsieur Attal, vous n'avez pas raison contre l'ensemble de la profession. Non, monsieur Attal, nous ne trierons pas nos élèves. C'est ce que nous avons voulu faire aujourd'hui et c'est ce que nous dirons tout à l'heure puisque nous serons reçus à 15h30 à l'inspection académique. Donc on va démarrer. Donc le parcours, on part d'ici pour aller jusqu'à la DS2N, donc par le boulevard Saint-Georges, si jamais vous vous perdez. Eh bien, vous pouvez nous retrouver. En tout cas, merci à toutes et tous d'être ici aujourd'hui. C'est vrai que la date, on en convient tous, eh bien, le 2 avril n'était pas forcément celle qui permettait de rassembler le plus de monde. Mais en tout cas, elle mérite d'exister et je pense que si elle est bien sûr insuffisante, elle était nécessaire. Donc, c'est un premier pas pour nous et certainement un grand pas pour la mobilisation. Merci à vous, donc on va démarrer. Je vais demander à des représentants de l'intersyndicale de se mettre en banderole devant contre toute la recherche en éducation et en pédagogie. Non, trier les élèves, ça ne les fait pas avancer plus vite, ça les sépare. Voilà un séparatisme. Il est organisé par ce gouvernement. Ce gouvernement qui propose en plus un plan d'austérité avec encore moins de moyens pour l'éducation nationale devrait rendre une condition. Sur les privés d'emploi, à qui on demande encore de raccourcir les délais de l'assurance chômage. On va demander sur les économies, sur les services publics, sur les services d'éducation. Alors que la commission a 200 milliards pour venir aux entreprises sans contrepartie. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Moi, je vais ensemble aussi. Les moyens qui en font, les élèves sont l'avenir de ce pays. Nous ne trierons pas nos élèves, nous ne trierons pas nos élèves, nous ne trierons pas nos élèves. Non au choc des saveurs. Ils sont toujours très forts pour trouver des noms, le choc. Le choc, il y en a, mais par rapport aux mesures qui sont prises, les mesures antisociales, les mesures anti-éducatives, c'est un choc pour nous. Comme à Noyer.
Et oui, ce bateau amiral qui coule régulièrement et qui risque de sombrer avec cette politique éducative annoncée. Non, nous ne trierons pas nos élèves. Le chèque des savoirs qui est annoncé, nous ne voulons pas. Syndicale, l'une des décisions, c'est quand même d'essayer le plus possible de repasser dans tous les établissements scolaires où on peut, que ce soit les écoles ou les collèges. Dans les écoles, parce que quand même, ce tri des élèves qu'on nous demande de faire, ça va être essentiellement les PE de CM2 à qui on va demander sûrement de positionner leurs élèves. Enfin, on ne sait pas exactement comment, mais à un moment, il va bien falloir faire ces fameux groupes, donc il va bien falloir qu'on demande à certaines personnes de trier les élèves. Donc il faut absolument qu'on soit solidaire entre premier et second degré dans notre refus de trier les élèves. Et aussi de passer dans les établissements pour essayer de demander à chacun de bien penser à regarder la répartition de services que ça va donner l'année prochaine. Tous les collèges qui l'ont fait, dans les équipes de lettres, notamment en français, à chaque fois on a vu qu'on allait être obligé soit de prendre jusqu'à 4 ou 5 heures supplémentaires, soit de partager les classes. Donc ça veut dire des enfants de 11 ans qui vont arriver au collège, à qui on va dire tu es dans la classe de 6e, par exemple, bleu, et par contre, une partie de vous va avoir Madame X comme prof de français, une autre partie va avoir Monsieur Y, mais comme on va faire des groupes, peut-être ça va bouger, et donc peut-être au trimestre prochain, bah, en fait, tu auras Monsieur Y et toi Madame Z. Enfin, autant vous dire, c'est impossible de s'y retrouver pour des élèves. Ça veut dire qu'on est tous d'accord que c'est une vraie gageure de vouloir trier les élèves au niveau de la recherche et dans tous les autres pays où des groupes de niveau sont instaurés. On voit que ça ne marche pas. Et pour nous, quand on va exercer notre travail, on va se retrouver, on l'a dit ce matin, avec la nécessité de faire chaque jour quelque chose contre lequel on est. Ça veut dire se lever chaque matin et avoir l'impression de venir non pas faire notre métier, mais de devoir sabrer les élèves qu'on a face à nous. C'est tout simplement inadmissible. Ne cassons pas, on n'est pas 150 ni 200 et encore moins des milliers aujourd'hui à Auxerre. Mais la lutte, ce n'est pas uniquement Auxerre. Il y a des départements, il y a des établissements qui sont mobilisés maintenant depuis plusieurs semaines. Il y a des endroits où ça bouge et cette date qui peut sembler de temps en temps un petit peu hors sol vu de Auxerre ou Sens, c'est une date qui a été aussi décidée en soutien à ces départements où la mobilisation a commencé. Et donc dans ce cadre-là, il y a ce que Mathilde a évoqué qui a été dit par l'AG ce matin. Il y a aussi sur le site du SNES, par exemple, la possibilité d'avoir une carte où on peut suivre les endroits où il y a ces mobilisations. Il y aura peut-être quelque chose d'intersyndical qui sera fait plus tard. Voilà, ça commence à bouger. Il ne faut pas qu'on s'arrête à ce qui se passe aujourd'hui ici en se disant que c'est mort. Bien sûr, on ne peut pas être content d'être si peu, mais il y a des choses qui se passent. Et pour ajouter pour les collègues qui sont en lycée, il y a bien sûr le choc des savoirs en collège, mais en lycée aussi, il y a des raisons d'être mécontent. Les postes qui ont été annoncés en décembre pour faire fonctionner théoriquement les chocs des savoirs et qui viennent d'être supprimés, il faudra bien que le gouvernement les reprenne quelque part. Donc il a déjà trouvé des solutions. Ça va être des contractuels en nombre plus important. Ça va être des professeurs d'école primaire qui sont appelés à demander des détachements. Mais ça va aussi être des postes qui ne seront pas finalement redonnés en juin dans les lycées, même quand il y en aura besoin, parce qu'il va bien falloir les récupérer quelque part. Dans les lycées, tous les collègues qui ont les groupes de spécialité savent que d'ores et déjà, et ce n'est pas le refrain habituel des enseignants, c'est d'ores et déjà, les programmes, parce qu'ils n'avaient pas été conçus pour être traités entièrement, seront totalement inapplicables.
On est en train d'envoyer des élèves passer leur bac en juin, alors qu'on sait que quasiment nulle part les programmes seront faits. Qu'est-ce qu'on attend pour réussir à se mobiliser là-dessus? Tous les professeurs de seconde ont, depuis maintenant le mois de novembre, des familles et des élèves qui leur demandent comment ça va se passer les stages. La circulaire, on l'a eue la semaine dernière. Tous les professeurs de seconde, d'après cette circulaire, peuvent être professeurs référents. Professeur référent, c'est un terme normalement qui existe pour les collègues PLP. Et pour ces collègues PLP, ça correspond à un décret très précis, qui n'est pas le décret de 2014, qui est l'ancien décret, avec des calculs horaires sur ce qu'il aurait demandé. Non, ben là, pour les certifier les agrégés qui ont des élèves en seconde, c'est étendu, ça fait partie des missions d'après la circulaire, et donc c'est sans aucune contrepartie que les collègues devront assurer le suivi des stages, avec précision de la circulaire, joignable à tout moment. Sur les horaires où les élèves sont en stage, mais joignable à tout moment. Voilà. Ce n'est pas admissible. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça pour des stages dont on sait très bien qu'ils n'auront 9 fois sur 10 aucun intérêt pédagogique, et avec une pseudo-reprise qui se fera en classe de première, ça aussi la circulaire maintenant le confirme si elle est appliquée, c'est-à-dire qu'on verra apparaître des élèves au mois de septembre en première, dont il faudra leur demander ce qu'ils ont fait en stage au mois de juin, et on demandera quoi aux élèves qui finalement n'auront pas fait de stage, mais auront fait le SNU? Parce que la réelle volonté, c'est pas que les élèves fassent des stages. La réelle volonté, c'est de mettre en place et de faire fonctionner le SNU et de le faire monter en charge pour préparer son éventuelle généralisation qui est souhaitée par le gouvernement. Voilà. Donc en lycée aussi, il y a de nombreuses raisons pour essayer de se mobiliser, pour mobiliser les collègues. Ben, comme on a évoqué le second degré, les collèges, les lycées, je vais faire un petit mot pour le premier degré également, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, on est évidemment concerné par le fait de devoir faire le tri des élèves dès le CM2 pour pouvoir créer des groupes de niveau au collège. Mais au-delà de ça, on l'a vu, on a eu une mobilisation ici sans précédent contre la carte scolaire et ce qui est mis en place avec le choc des savoirs, c'est aussi un moyen de continuer les économies et de ne pas créer les postes nécessaires, de ne pas répondre aux exigences des enseignants et des parents. Et là, en l'occurrence, bah, les 29 postes qui ont été supprimés dans le premier degré dans le département, ça crée des effectifs en plus dans les classes, ça rajoute des difficultés aux difficultés qui sont déjà là. Et ça, c'est une motivation qui est importante aussi pour tous les collègues du premier degré à se réunir avec les enseignants du second degré, avec les enseignants des collèges et des lycées, pour se mobiliser contre le choc des savoirs pour des postes. Nous, on demande, c'est l'appel intersyndical national, il demande pour le choc des salaires et des postes et des moyens. Là, c'est vraiment ça qui est en jeu. Et on appelle donc évidemment tout le monde à se réunir. Là, ici, on est certes pas très nombreux aujourd'hui, ça a été dit. Après, c'est pas ridicule non plus. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a quand même des collègues de tous les secteurs du département. Il y a des collègues de Sens, des collègues de Villeneuve, d'Auxerre, évidemment, de collèges, d'écoles, de lycées. On a les moyens, là, en repartant, de ne pas se dire que c'était une journée d'action sans lendemain, mais d'aller discuter avec les collègues, de refaire le point sur la nécessité de se mobiliser, sur la nécessité de décider ensemble et de se réunir en assemblée générale dans tous les établissements, dans toutes les écoles, pour décider de la suite. La suite, on le sait, ce n'est pas des journées d'action comme ça qui vont nous permettre de l'emporter. Par contre, ces journées d'action, ces journées comme aujourd'hui, peuvent être un point de départ pour la discussion, pour préparer la suite et pour préparer une vraie mobilisation qui nous permette de gagner et de faire reculer le gouvernement dans son entreprise de saccage de l'économie. Je suis du 93, moi je travaille à Montreuil. Nous dans le 93, il y a des mouvements de grève depuis la dernière rentrée. Ça bouge beaucoup, on est très mobilisés. Moi je suis en élémentaire, dans notre école il y a des années qu'on n'a plus de médecins scolaires, on n'a pas de psychologues scolaires, on a des AESH qui manquent, bon voilà. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut arrêter d'obéir. Voilà. Les évaluations CPCE1, je ne les ai jamais faites de ma vie. Bravo ! Jamais. Alors, évidemment, je suis dans une équipe, c'est moins difficile, je suis dans une équipe où on est soudés, on est d'accord là-dessus. L'inspecteur est venu nous voir, nous a dit que c'était pas bien. Bon, ok, c'est pas bien, on s'en fout. Et il nous a rien arrivé.
Donc, faut arrêter d'obéir, en fait. Là, c'est bon, il faut désobéir, il faut arrêter de faire ces saloperies d'évaluation. Il faut pas, voilà, il faut discuter. Les lycées se mobilisent beaucoup aussi, les profs de lycée font grève. Il y a des blocus des lycéens. La répression est très forte. Là, il y a dans le lycée où est mon fils, il y a 17 élèves qui ont été exclus. Enfin, ils ont essayé de les exclure, mais bon, c'est battu, en train de se battre pour que ça s'arrête. On n'a pas parlé de la liberté pédagogique, hein, avec les manuels labellisés de merde, là. Voilà, donc moi je dis qu'il faut qu'on reprenne notre métier en main. C'est nous qui savons faire notre métier, et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Bon, c'est vrai que le 93 est à l'avant-garde des mobilisations, hein, et je pense qu'il mérite qu'on les applaudisse, hein, parce qu'il montre l'exemple. Un exemple qui est suivi par vous aujourd'hui, parce que tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas la quantité, mais on a la qualité aujourd'hui, c'est déjà important. Et on espère que justement on fera monter en charge ces mobilisations. Oui, tu l'as dit, parce qu'effectivement, le choc des savoirs, mais il y a aussi une politique éducative qui, depuis des années, a détruit tout ce qui existait avant. On l'a vu, les Razed aujourd'hui dans Lyon, eh bien, c'est peau de chagrin. Sur 24 psychologues qu'on devrait avoir sur le territoire iconé, il en manque 7. Et tous les ans, on constate qu'il manque 7, 8 psychologues. Mais alors, les élèves qui en ont besoin, comment ils font? Je veux dire, il faut qu'ils aillent dans des boîtes privées. C'est ça qu'on propose. C'est ça ce que propose ce gouvernement. C'est-à-dire, les riches, ils s'en sortiront toujours. Ils mettent déjà leurs élèves dans l'école privée. École privée, il faut rappeler, qui est quand même, avec nos fonds, les fonds publics, 77% d'école privée est financée par des fonds publics. Et là, il y a un rapport, justement, qui est sorti, qui interroge un peu sur la manière dont sont distribués ces crédits. Ça, faut le dénoncer aussi. Tu l'as dit, dénoncer les trucs. Dénoncer tout ce qui se fait, parce que l'argent... Olivier nous parlait du SNU. Le SNU, c'est-à-dire le service national là, qu'ils veulent mettre en place, hein, et c'est un réformé qui vous parle, eh bien, ce SNU... Oui, merci. Ce SNU, il coûterait plus de 2 milliards si on le met en place. Plus de 2 milliards. Et là, on nous annonce 800 millions d'économies sur... simplement sur l'éducation nationale. Et ça, c'est pour cette année. Donc le plan d'austérité, non. Non et non. On imagine là, ce que réclame. Plan d'urgence, effectivement, plan d'urgence pour le 93, c'est ce qui est réclamé. C'est combien? C'est 3000 postes qui sont réclamés pour le 93, il me semble. C'est ça, 3000 postes. Mais c'est pas 3000 postes, c'est 3000 postes dont on a besoin, qui ont été chiffrés par rapport aux lacunes, par rapport à ce qui manque. Et c'est vrai dans beaucoup de départements, dans la plupart des départements aujourd'hui. On le voit, il manque des psychologues, il manque des RASED, il manque de tout, de médecine scolaire. Et maintenant, la seule solution qu'on nous propose, c'est de trier les élèves. Mais c'est une plaisanterie. Est-ce que ce gouvernement est sérieux à un seul moment? On se moque de nous. On se moque de la population, on se moque de l'avenir de ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est légitime et on est dans le droit, on a raison. On est juste derrière le 93, on suit, mais en tout cas, on est avec eux et on est avec tous ceux qui se battent pour une éducation de qualité. Aujourd'hui, on est quand même 11 sur 24 attendus à 8h30 en grève, donc ce qui fait un bon 40%, donc c'est pas si mal. Bravo. On est pas assez présent cette manif aussi, mais surtout, on a essayé de trouver aussi d'autres actions. Donc demain, on va distribuer des tracts à destination des parents. On essaie de mobiliser les parents, en fait, surtout. Pour qu'ils soient avec nous contre cette réforme. Et donc dans ce tract, on appelle à se réunir le lundi 6 mai, alors ça paraît loin, mais bon, il y a les vacances, etc., pour justement discuter avec les parents et voir ce qu'eux sont prêts à faire aussi avec nous pour intensifier la mobilisation. Donc voilà, ça nous paraît indispensable de toucher d'abord les parents, et notamment les parents des futurs 6e. Donc on va essayer d'aller faire le lien aussi avec les écoles primaires. Il y a un mois, on a fait un rassemblement contre les fermetures d'écoles de Villeneuve-sur-Yonne et contre la fermeture aussi d'une classe au collège. Donc voilà, on essaie de continuer dans cette veine-là, de faire du lien avec donc dans Villeneuve-sur-Yonne avec les écoles et donc le collège. Mais ils sont vraiment contre, et c'est là-dessus, je pense qu'il faut appuyer pour avoir un soutien des parents. Moi, j'avais jamais vu ça. Enfin, en 93, là, on fait dans les villes, on fait des marches dans nos villes, etc. Et on est quand même très nombreux à chaque fois. Les parents, ça les touche vraiment. Je pense que ça, cet appui des groupes de niveau, ça marche vraiment bien. Il faut les informer de ça. Parce que sans leur soutien, on ne peut rien faire. Nous, ils s'en foutent. Donc sans le soutien des parents, je pense qu'on ne peut rien faire. Petite sirène du gouvernement,
qui laisserait à penser que ces groupes de niveau seraient une bonne idée des fois, pour que les meilleurs, eh bien, les meilleurs des meilleurs, une espèce d'élite. Alors qu'on sait que dans l'éducation, ça ne marche pas, ça. Mais c'est vrai qu'il y a des parents qui peuvent être sensibles à cette sirène, et c'est pour ça que tu as raison, il faut les rencontrer, il faut leur expliquer le danger de ces groupes de niveau. Hein. C'est un peu comme dans l'éducation. Hein. Si on dit aux enseignants, on va augmenter les meilleurs, chaque enseignant va penser qu'il est meilleur, mais au bout, il n'y aura pas d'augmentation pour tout le monde. Donc là, c'est un peu ça, et puis de se rendre compte de ce que ça va créer aussi dans un collège, au niveau de l'ambiance entre élèves. On n'en parle pas assez, mais ce groupe-là, alors on peut dire les bons, les très bons, les très très bons, mais on sait très bien qu'avec les élèves, et c'est, les élèves souvent de collège ne sont pas les plus empathiques avec leurs camarades, ça risque d'être le groupe des nuls. Et le groupe des nuls va en prendre plein la tête. Il y aura peut-être aussi le groupe des intellos qui en prendra bien la tête aussi. Donc, c'est pas la peine de lutter contre le harcèlement d'un côté et puis de faire une usine à harceleurs, là, parce que c'est ça qui va se passer. Les gamins de cet âge-là, ils vont se mettre les uns contre les autres. Il va y avoir une appartenance de tribus sur certains groupes qui va être destructrice sur ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire une cohésion entre les élèves, une espèce de communauté éducative à laquelle les enseignants sont attachés. Donc M. Attal, c'est vrai, il est en train de tout casser, là. Il va casser beaucoup de choses, et il est important qu'on le dénonce et qu'on le fasse savoir. Tu l'as dit, les parents, mais aussi que les enseignants se rendent compte qu'en se mobilisant, il y a possibilité de revenir. Parce qu'on avait quand même réussi, là, à mettre le doute dans la tête, notamment de notre ministre de l'Éducation, parce que si Attal n'était pas revenu à la charge, on sentait bien qu'il a commencé à déconstruire un peu le projet gouvernemental. Hein. Il a commencé à essayer, alors bien sûr, hein, ça n'aurait pas été bon non plus, mais on sentait bien qu'on avait mis un coin dans la porte, hein, comme on dit. Donc là, il faut continuer, comme tu l'as dit, il faut continuer dans nos collèges, dans nos écoles primaires, dans nos lycées, hein, en échangeant avec les collègues pour qu'ils se rendent compte, parce qu'on en parlait ce matin, les collègues ont l'impression que la rentrée, c'est loin. Et actuellement, bon, ils ont leurs projets, ils ont leurs sorties, certains les conseils de classe, et que la rentrée, c'est en septembre. Quoi. Mais c'est maintenant que ça se construit, parce qu'en septembre, ça va nous arriver dans la tête. Hein, on est au bord du précipice, il faut qu'ils s'en rendent compte. On est au bord du précipice. Je pense qu'on aurait tout intérêt à le faire savoir partout, et à faire savoir partout toutes les actions qui sont menées dans les différents établissements. Et quand en effet, il y a des assemblées qui se réunissent, prenez position, sortez un papier avec simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord et que vous êtes prêt à vous mobiliser et qu'on est prêt à entrer en lutte contre les actions et la politique gouvernementale. Faites-le savoir et on le diffusera le plus largement possible pour que tout le monde soit au courant. Ça permet aussi de sentir aux autres qu'ils ne sont pas isolés, parce que dans chaque collège, on a des collègues qui sont opposés au choc des savoirs. Et qui pour autant ont le sentiment qu'ils sont peut-être tout seuls à être dans cet état d'esprit, et qu'il n'y a pas de perspective si on se dit tous, ce qu'on fait un peu hein, d'ailleurs dans le 93, les prises de position, elles ont été faites en assemblée générale par les collègues qui se sont réunis et qu'on dit stop, on pose les cartables et on retournera bosser que quand ils ont retiré le choc des savoirs et qu'ils nous auront donné les moyens. C'est ça aussi qui donne de l'espoir et qui donne des perspectives pour les collègues de pouvoir l'emporter et de pouvoir faire reculer le gouvernement. Mais en tout cas, moi ce matin à la radio, quelle que soit les motivations, on a parlé de la chose.